Hop. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait un mini-kit là, bon ben. Comme ça vous le saurez. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Solarius et je vous retrouve pour la suite du Let's Play de Lego Batman, le jeu vidéo. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de passer au bat-ordinateur pour activer les tenues. Les améliorations des tenues, plutôt. Donc on va directement se rendre en haut de la tour pour battre le Joker une deuxième fois. Je vais prendre le fantôme gris pour ça. Je prends le fantôme gris ou un policier parce que je vais pas prendre les deux. Ah non, je vais juste prendre un officier de police qui essaie de faire son boulot. J'aurais pu ne pas prendre ça parce que je crois qu'ils vont nous le débloquer parce qu'il y a des officiers de police dans le niveau, je crois. Mais c'est pas les mêmes, je sais pas. J'adore ce plan de cinéma là. Non, ils nous ont pas débloqué d'officier de police dans... Ah oui, le Joker forcément. Bon, donc comme lors du mode histoire, ici on a des ennemis qui arrivent à l'infini. Ici, on sauve un citoyen. Parce que c'est ça la justice. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai fait avec la voix de Batman, mais j'adore. Si on détruit les gargouilles ici, on peut avoir des... enfin, un mini-kit du coup, manifestement. Et puis aussi, il va falloir détruire un minimum de trucs quand même parce que... on n'a pas encore le super-héros sur ce niveau. Hop. Voilà, comme je le disais, ça change la ville. La marche rapide sur les parois magnétiques. Voilà. Voilà, un mini-kit. Ça, on va y accéder avec un double saut. Il y a qui peut faire un double saut dans ma sélection de personnages? Harley Quinn, c'est parfait. Ça fait, on a peu joué avec. Et il faut que l'IA vienne me rejoindre. Alors du coup, est-ce que... Ah si, je peux faire une échelle quand même. Je pensais qu'il fallait forcément y accéder comme ça avec un double saut, mais non. Le fait que l'IA ne vienne pas, ça m'a donné la puce à l'oreille. Hop, voilà. Hop, voilà. Un mini-kit et des pièces à ramasser. Et du coup, on va les prendre. Voilà. Vous voyez que ça se ramasse quand même beaucoup plus rapidement avec l'amélioration de tenue qu'on a eue. Il suffit d'effleurer les pièces avec le curseur pour... qu'elles viennent à nous. Ouais, plus de pièces en vrac. On va re-switcher sur la tenue magnétique. Ah oui. Harley Quinn.
Et on va se faire Harley Quinn à coup de canon anti-émeute. Voilà. Mais ça c'est pour construire une tenue pour Robin. Bon. Intéressant pour le jeu libre. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette machine constructo? Une mine. Ok, bah d'accord, bon. On a fait du vandalisme sur une cathédrale, c'est pas un souci. On a fait au nom de la justice. Et de la collectionnite aiguë. Ah, c'est vrai, si la collectionnite aiguë s'est reconnue officiellement comme une maladie, vous pensez qu'on peut l'aider juridiquement irresponsable? Pour ce rien de faire. Alors, on met... Pop, voilà. Super. On quitte. On en a encore un là-bas. On va se faire un coup de... vol d'oiseau. C'est un peu ambitieux. De double saut alors, yes, ça passe mieux. Sauf que le double saut n'est pas suffisant. Ah. La petite plateforme. Si je combine cette plateforme et cette. Ah. Zut. Ah, voilà. Ça aussi. Là, je peux monter, même si ça sert à rien à part pour l'argent. Mais enfin, bon, j'ai déjà. Ouais, on va dire qu'on a déjà ce qu'il faut. Le score x2, ça aide vraiment. Pour le mode super. Enfin, pour le truc super héros. On a réussi à récupérer tous les machins, toutes les briques en vrac. Ouais, de l'argent. Nice. Ok, on va reprendre le policier. Bien joué, collègue. Youp là. Hop. Je comprendrai jamais le fonctionnement de ces boîtes. Hein. Je dirais bien que c'est buggé, mais non, il n'y a pas moyen que ce soit buggé, surtout comment j'ai vu leur script IA, il n'y a pas moyen que ce soit buggé. Mais je comprendrai jamais le fonctionnement de ces boîtes, parce qu'elles elles sont indestructibles tant qu'elles sont à distance, et elles deviennent destructibles quand tu approches, mais de fait, elles utilisent des armes à distance. Du coup, en fait, le seul moment où elles... Le seul moment où elle gagnerait à t'attaquer, c'est le moment où elle ne t'attaque pas parce qu'elles sont invincibles. C'est très bizarre. Voilà. Et
Alors le... Au moment où elles sortent pour t'attaquer avec leur arme à feu, toi t'es déjà à portée de mêlée, donc du coup elles ont pas le temps de t'attaquer. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment du gâchis pour un ennemi aussi. Genre imaginez qu'ils aient fait l'inverse. La boîte elle est ouverte, elle te tire quand tu es loin, et quand tu t'approches elle se ferme et elle devient invincible. Là t'as déjà un ennemi qui me designé, non? C'est pour ça que je me demande si c'est pas ce qu'il voulait faire à la base et qu'en fait c'était bugué, mais non, parce que je vois pas comment tu peux... Je vois pas comment ça pourrait être bugué en fait, le script des... Des boîtes, hein, donc ça doit être fait intentionnellement, je sais pas. On a un nouveau mini-kit! Il ne reste plus que la brique rouge et le... Bah, deux mini-kits, du coup. Ah. Si on descend là, voilà. Ça se passe si j'appuie là. C'est pas grand chose. Bon, allez, on va détruire l'orgue de la cathédrale. Pas comme si ça valait grand chose. Ah oui, non, on peut pas le détruire comme ça. Il nous faut un catcheur mexicain. Oh. Bonjour monsieur l'organiste. Ah bah, la brique rouge, très bien. Je prends. Hop, ça s'apprécie quand même, hein, la marche rapide. Zut. Voilà. Hop. Vous êtes vraiment très mal caché les gars, je veux pas... C'est pas pour me moquer mais... Ah si, c'est un peu pour me moquer mais... Oui, alors d'avant... Avant de faire le boss, je vais me concentrer sur le mini-kit, là sachant qu'on est tranquillou. On n'est pas attaqué. Ah bah tiens. Il verrait qu'avec une mine, on puisse simplement obtenir le dernier mini-kit. Neuf. Ah oui, effectivement, il y a une flèche là-bas. Ah zut, pas ce que je voulais faire. D'accord, ouais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est détruire ces machins en métal. À moins que ça se détruise au Batarang, je sais pas. Non.
Attends, non. Non, il est ici, le dernier mini-kit, d'accord. Ouais, bon, il est plus simple à attraper, du coup. Hop. Je me demande comment le marteau est équipé d'un... d'un truc qui fait poète quand on l'utilise. D'un sifflet. Alors... toi... oh, là, voilà. Je me souviens que c'est une séquence qui m'avait un peu soufflé quand j'étais jeune, quand même, l'hélicoptère qui apparaît comme ça pour te défoncer. Pas prévu ça. Bon. Non, on est juste approché. Ah bah. Je pense que c'est ce qu'on appelle un oupsie. Au pistolet, ça marche aussi très très bien. Détecteur de briques en vrac. Ah. C'est plus très utile maintenant, mais très bien. Voilà, donc on a fini le Super Kit Hero. Vous aurez sans doute reconnu le Manoir Wayne. Mini-kit. Ah, une carte de Joker, évidemment. Bah oui. Bah oui. Pourquoi celui-là il donne des pièces violettes? Parce que c'est le dernier? Parce que c'est le dernier niveau? Ok, ben on va aller acheter le détecteur, c'est pas que j'en ai vraiment besoin, mais bon, j'ai beaucoup d'argent. Voilà, comme ça on a toutes les améliorations de tenue, ça fait plaisir. Bah écoutez, dans le prochain épisode, on retournera du côté des vilains.
Cette fois du côté du Joker et de Harley. Pourquoi ils sont sélectionnés? Est-ce que par hasard... Est-ce qu'ils sélectionnent les personnages de Arkham par rapport au dernier niveau que tu as terminé? Peut-être. C'est juste un hasard, je sais pas. Est-ce que c'est juste un hasard? Dans le prochain épisode, on retournera du côté de Harley et le Joker pour aller faire leur côté de l'histoire. Et finir ça en jeu libre. Voilà. Allez, à la prochaine.